Bonjour, je m'appelle Tariq. J'ai fait la connaissance d'Eric quand nous étions très petites. Je suis plus sportif et fort que lui. Chaque matin, je lève des poids. Chaque jour avant l'école, je lève des poids. Chaque soir, je lève des poids. Eric ne lève jamais des poids. À cause de ça, il ne peut pas gagner des filles. Au contraire, je peux gagner toutes les filles parce que je suis très fort et je joue tous les sports. Bonjour, je m'appelle Russell. Je suis un bon ami d'Eric. Et je suis un expert des filles. J'ai suivi un cours de l'internet qui s'appelait « Comment gagner une fille ». J'ai appris beaucoup et maintenant je suis un expert. J'avais 15 copines et je les ai larguées toutes. À cause de ça, j'ai beaucoup d'expérience avec une fille. Mais si j'y voulais une copine, j'en pourrais avoir une. Bonjour, je m'appelle Chris. Je suis un ami d'Eric. Eric a beaucoup d'amis, mais je suis le plus chic de tous ses amis. Ma famille est très riche et j'ai beaucoup d'argent. Chaque week-end, je vais au centre commercial et j'achète des nouveaux vêtements. Il est nécessaire que j'achète des vêtements qui sont les plus chics et les plus chers. Toutes les filles m'aiment parce que je suis chic. Bonjour Eric, comment ça va? Bonjour Kim, ça va bien et toi? Je vais bien. Est-ce que tu veux sortir avec moi ce soir? Oui, mais il fait beau aujourd'hui. Oui, mais est-ce que tu veux sortir avec moi? On peut regarder un film. Oui, mais les nuages sont comme un film. Tu veux que je sorte avec toi? Est-ce que mes amis Russell, Chris et Tariq peuvent aussi venir avec nous? Je préfère qu'ils ne viennent pas avec nous parce que je veux y aller seulement avec toi. C'est gentil, mais je ne peux pas aujourd'hui. Je dois prendre une douche. Tu n'as pas pris une douche ce matin? Je n'en ai pas pris une aujourd'hui. Alors, tu peux prendre une douche avant de sortir ce soir? Mais quand je prends une douche, elle dure pour 5 heures. D'accord, je suppose qu'elle est bonne d'être propre. Je suis d'accord. Alors, je dois partir. Au revoir, Eric. Au revoir. Oh mon Dieu, je suis un idiot. Je ne pouvais pas lui parler. Oui? Eric, est-ce que tu as parlé avec Kim? Oui, elle venait de partir quand vous êtes arrivé. Mais maintenant, elle doit penser que je suis stupide. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je voulais regarder les nuages et je n'avais pas pris une douche ce matin. Est-ce que tu es sérieux? Elle ne t'aimera jamais. Je sais! Je n'aurai jamais de copie. Mais il y a espoir. Il est bon que tu parles avec nous parce que nous avons la meilleure solution. Quoi? Dis-le-moi vite! Nous pouvons t'enseigner à gagner la cour d'une fille. Vous pouvez me l'enseigner? Dis-le-moi vite! D'abord, il faut que tu lèves des poids pour grandir tes muscles. Je peux t'aider avec ça. Oui. Il faut que tu apprennes à parler avec une fille. Je suis un expert en ce domaine. Et moi, je peux t'aider à choisir des vêtements pour ton rendez-vous romantique. Parfait! J'ai des bons amis! Ouais, nous allons faire un homme de trois! Bonjour Eric. Oh bonjour Tariq, qu'est-ce qui se passe? Russell m'a dit que tu veux gagner l'amour d'une fille. Si tu veux avoir une copine, il sera nécessaire que tu aies des grandes muscles. Non, tu as tort. J'ai des muscles qui sont très grands. Eric, je crois que tu n'es pas réaliste. Regarde-moi.
suis très fatigué. Alors, tu dois bien m'écouter. Il faut que tu commences avec des poids moins lourds. Quand tu seras plus en forme, tu pourras lever aux qui sont plus lourds. Il faut avoir beaucoup de patience, mon ami. Ah oui, les muscles sont très grands. Eric, tu ne lèves que depuis 10 minutes. Comment veux-tu agrandir tes muscles si tu ne fais que 10 minutes d'exercice? Ah, il faut que tu sois moins sévère avec moi aujourd'hui. Je ne suis qu'un débutant. Je te promets que je travaille chaque jour. Maintenant, je prends une petite pause et je finis la dernière partie de mon entraînement physique. D'accord. Eric! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as fini ton entraînement physique? Non, je prenais un petit pause. Eric, une heure est passée et tu n'as rien fait. Comment est-ce que tu vas gagner la mort de Kim si tu n'as pas réussi comme ça? Avec mes grands muscles? Et mes mots séduisants. Tu es terrible. Est-ce que tu comprends qu'il faut souffrir pour être beau? Je voudrais être beau, mais j'aimerais avoir bien des grands muscles comme toi. Mais maintenant, je suis trop fatigué. Fais comme tu veux. Tu es incroyable. Tu dois parler avec Rousseau maintenant. Il peut te changer. Oui, merci beaucoup, Tariq. J'ai des grands muscles maintenant, mais je ne sais pas parler avec des filles. Ne t'inquiète pas, parce que j'ai acquéri beaucoup d'expérience. Oui, c'est bon, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il est indispensable que tu répètes comment socialiser avec des filles. Je fais semblant d'être une fille. Essaye de parler avec moi. Au début, il faut que tu fasses des compliments à la fille. D'accord. Bonjour, Kim. J'aime tes yeux. Ils sont comme des ampoules électriques. Non. Tu ne peux pas complimenter les yeux. C'est bizarre. Il est nécessaire que tu complimentes les épaules. Les épaules? Oui. Toutes les filles aiment avoir des belles épaules. D'accord. J'adore tes épaules. Elles sont comme celles d'un homme. Oui, bien fait. Oui. Quelles sont les autres choses que je dois complimenter? C'est les sept de chaussures et les lobes de ses oreilles. Si tu complimentes ces choses, tu gagneras son amour, c'est certain. C'est chouette. Après les compliments, il est nécessaire que tu continues les conversations. Il faut que tu parles tout le temps. Tout le temps? Mais je pensais que les filles parlent plus que les garçons. Non. Je suis certain que tu parles tout le temps. D'accord. Je parlerai de la pêche et des Power Rangers. Je suis certain qu'elle les aime beaucoup. Eric,
Tuna papa serio. Tuna papa parlay de poisson ou les Power Rangers avec les filles. Ce n'est pas chouette. Si tu parles des poissons, elles vomiront. Et personne n'aime les Power Rangers. Recommence. Mais je n'ai aucune idée de quel sujet je dois parler. De ce qui te donne l'air chouette comme les sports ou les voitures. Merci beaucoup, Russell. De rien. Nous devons répéter encore une fois. D'accord. Bonjour, Tim. Bonjour, Eric. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien. J'aime ton chandail. Il met tes épaules en valeur. Mes épaules? Oui, je pense. Elles sont comme celles d'un homme. Oh, merci pour les compliments. J'aime beaucoup ça. J'aime tes lacets de chaussures et les lobes de tes oreilles. Ils te font bien. Bien fait, Eric. Tu es un expert maintenant. Les filles tombent avec amoureux avec toi sans problème. Ah oui. Maintenant, je sais comment parler avec des filles. Et Russell, merci pour tous les bons conseils. N'oublie pas de paraître. Quand tu leur dis des choses flatteuses. Merci beaucoup, Russell. Je vais voir Chris maintenant.